Bonjour à vous, je vais vous faire la lecture d'un recueil écrit à deux voix et qui va sortir en 2021 aux éditions du Tanka francophone. Le titre de ce recueil, Tant qu'à dire, c'est de la prose et de la poésie, qui a été coécrit par deux auteurs, psychanalystes toutes les deux, Martine Lenormand, psychanalyste, peintre et poète à Mâcon, en Bourgogne, et Michel Tinman, psychanalyste, poète de haïku de Tanka, qui vit et travaille en Belgique à Ham-sur-Eure. En voici un extrait de la préface pour commencer. Coupable d'écriture sans circonstances atténuantes, Michel Tinman et Martine Lenormand nous offrent ici avec Tant qu'à dire la pièce à conviction qui signe leur acte. Coupable de viser à la fois la logique d'une pratique, la psychanalyse, et la beauté d'une forme poétique millénaire, le Tant qu'à, dire la psychanalyse par la poésie est une trouvaille. Montrer que la psychanalyse ne peut exister sans la poésie, est un apport pour l'étude. Je vous en donne un court extrait. C'est le chapitre du secret. C'est le pivot du texte à l'école du fragment. Il scande la première partie du livre et opère un bouger qui ouvre le passage de l'amour vers le silence. Tant qu'à dire nous apprend que l'amour est trompeur, mais qu'il est efficace quand il apparaît sous la forme du transfert pour que le secret du sujet advienne. L'analyste supposé savoir le secret et supposer pouvoir l'entendre, aussi l'éclairage des mots murmurés comme à l'oreille du vent. Le secret révélé ouvre sur le silence, porteur d'une question. Le vent connaît-il déjà le battement d'ailes des mots qu'il transporte désormais et qu'il endosse ? Voilà une ouverture sur ce recueil qui sera publié aux éditions du Tanka francophone en 2021. À très bientôt. Au plaisir de vous entendre et de vous lire.